quand on fait un mariage, quand on organise un mariage, là, tout est calculé. Parce que si Karina avait refusé l'invitation, ou même si elle inventait une histoire pour dire, ah, ma soeur, désolée, je serai en déplacement, mais je ne serai pas disponible pour venir à ton mariage. Vraiment, heureux mariage à toi, je ne pourrais pas être là, tout ça là. Déjà, elle m'a déjà informé avant le mariage, avant le jour J. J'allais mettre une autre personne à sa place. C'est mon seul problème qu'elle a. Hein. J'allais mettre, pas une seule personne, deux personnes, parce que quand tu évites un artiste, tu fais plus un. Parce qu'un artiste se déplace seul. Un artiste vient toujours avec quelqu'un. Avec un manager, avec un ami, avec une amie, tout ça. Donc, quand moi je mets un artiste, il met plus un ou plus deux, ça dépend. Voilà. Donc, les deux places de Karina, là, j'allais donner ça à deux personnes. J'allais donner ça à deux autres personnes. Mais Karina n'a pas dit non qu'elle ne vient pas. Elle a dit oui qu'elle vient. Elle a confirmé qu'elle vient. Donc, les deux chaises de Karina là, sont restées vides. Ses assiettes, ses couverts, sa nourriture, sa boisson, elle et puis la personne qui allait l'accompagner, tout est resté là. Parce que ça a été calculé. Là, tu as raison, ma soeur. Je te comprends. Elle aurait dû t'informer à temps, au lieu d'attendre le lendemain pour que tu puisses la remplacer. Tu as raison. Tout a été calculé. Donc ça, je n'ai pas aimé cette façon-là. Mais Marie, ça, j'en ai pas parlé. J'ai pas parlé de ça. C'est le lendemain 16 juillet, m'a envoyé un message sur WhatsApp pour dire, ah, excuse-moi, ma soeur, il y a eu trop de problèmes. Voilà pourquoi je n'ai pas pu venir, te fâche pas. Voilà, 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 voilà. Je dis, ok. Et puis elle a dit félicitations pour ton mariage et tout ça. Ça, c'est en privé. Elle a fait ça. Bon, quand ta camarade, tu es invitée, ou bien une personne que tu considères, tu invites, et puis elle n'est pas venue, et puis elle envoie un message le lendemain pour s'excuser, ça veut dire qu'elle te porte dans son cœur. Et que vraiment, il y a quelque chose d'important qui l'empêchait de venir. Sinon, elle allait être là. C'est ce que ça veut dire. Hein? Donc, puisqu'elle n'a pas pu être là, et c'est une personne publique qui a l'habitude de faire des posts sur sa page, donc ce qui veut dire que quand elle a fini de dire félicitations, inbox en privé, là, elle allait faire le post sur sa page. Mettre la photo pour dire, ah, félicitations ma soeur pour ton mariage. Et encore désolé pour mon absence et tout ça. Ce qui est logique. Donc là, tu comprends quand même qu'il y a des choses qui peuvent arriver et qui peuvent faire qu'on soit empêché, n'est-ce pas? Oui, mais est-ce qu'elle était obligée nécessairement d'aller te poster sur sa page? Tu sais, ma sœur, les gens ne réfléchissent pas comme toi tu le veux. Les gens n'agissent pas comme toi tu l'entends. Non, chacun fait à sa manière. Ce n'est pas parce que toi tu aurais dû faire ça qu'elle est aussi nécessairement obligée de le faire. Non, il faut comprendre que nous sommes tous différents. Chacun à sa manière. Ce n'est pas une question de quémander amitié. Je n'ai rien à foutre de son amitié. Franchement, je n'ai rien à foutre. C'est une personne que j'ai portée dans mon cœur, comme je porte tout le monde dans mon cœur. Oui, moi je porte tout le monde dans mon cœur. Parce que je suis comme ça, je suis une personne fair play. J'aime tout le monde. C'est quand tu me montres un autre visage, que je quitte là, je gagne temps, je vais ailleurs. Je ne suis pas méchante, je ne suis pas mauvaise. Je ne peux jamais quémander l'amitié de quelqu'un. Si tu viens vers moi, tu viens de mon amitié, on est ensemble. Si après ça devient bizarre, on se sépare. Voilà. Les amitiés, je n'en manque pas. Les amitiés, j'en ai plein. Donc, il ne faut pas se donner les airs de venir faire un direct pour dire que oui, genre, Vita Fou me boue. Non. Boue même, c'est petit. C'est 20 mois, j'ai fait. Boue là, c'est petit. C'est 20 mois, j'ai fait. Parce qu'à vrai dire, dis-moi de toi, moi, tu m'apportes quoi? Ok, elle ne t'apporte rien. Tu as compris qu'elle ne t'apporte rien, mais alors absolument rien. Boue là, c'est petit. C'est 20 mois, tu vas faire, ma soeur. Fais 20 ans une fois pour toutes et passez à autre chose. D'accord? Karina, pour dire que je force dans ton amitié, pour dire que oui, c'est qu'un mariage, on poursuit et les gens à cause des félicitations. Je ne te poursuis pas à cause des félicitations. Je dis pourquoi tu me félicites en privé puis en public, tu mets ta page comme s'il n'y a rien. Pour faire croire aux gens que non, Jean-Vita ne m'a pas invité, mais Vita m'a ignoré. Et puis ils vont dire que oui, Vita n'a pas invité ses collègues. Parce que les gens ont dit dans les commentaires que Vita n'a pas invité ses collègues artistes. Ah oui, 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 oui. Je sais que tu as vu ces commentaires-là aussi. Après mon mariage, là, parce que mon mari et moi, on a lu certains commentaires. Les gens se plaignaient que je n'ai pas invité mes collègues artistes du coupé décalé. Donc, pour leur dire que ce n'est pas vrai, je ne reste pas en privé. Parce que s'ils restaient en privé, là, ça allait rester sur pour eux. Ils vont dire, oui, Vital est mauvaise. Même s'il y a eu les histoires, vous avez vu chez Moula ici, en train de danser Mapuka ici, en train de tourner rein ici, en train de chanter ensemble ici, en train de boire ensemble ici, manger la viande ensemble ici. Pourquoi faire mariage, elle ne les invite pas? Je les ai invités, oh.
Eh oui, là, tu as raison, ma sœur. Quelqu'un qui en public t'ignore, mais vient te faire semblant de te féliciter en privé. Ma sœur, il y a quelque chose. Si quelqu'un ne peut pas t'assumer en public, c'est qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Quelqu'un qui chaque fois vient te féliciter en privé, mais en public t'ignore. Ma sœur, ce n'est pas une bonne amie, pas du tout. J'ai invité Karina, j'ai invité Janine Kline, j'ai invité la Congolaise. En tout cas, je parle de ceux avec qui je cause. Voilà, je les ai invités. Désir Doki, Fatim Diesel, j'ai invité beaucoup d'artistes. Beaucoup. Beaucoup. Qu'elles soient dans coupé décalé, comme dans variété, comme dans d'autres genres musicaux, j'ai invité. Même les rappeurs, tout ça, j'ai invité. D'autres ne sont pas venus, se sont excusés. Est-ce que vous avez vu les faits direct sur eux? Non, ça dépend. Ils ont fait post sur les pages pour féliciter. Voilà. Désir Frangine. Elle n'était pas là, elle était souffrante. À plusieurs reprises, elle s'est excusée. Il y avait direct sur elle. Au contraire, je lui ai dit merci parce qu'elle a fait un geste. Elle a dit, ah, je ne peux pas être ma soeur, voici ma participation. Elle n'était pas obligée de venir donner une participation. Mais parce qu'elle me considère aussi comme je la considère. C'est ça la vie. Quand une personne te considère là, considère la personne. Ne joue pas à double jeu avec la personne en fait. Il faut être vrai. Il faut être réel. Il faut être franc. Je parle, les gens me disent, oh, tu t'es mariée, arrête de parler. Non, parce que je suis mariée, ils doivent fermer ma bouche. Parce que je suis mariée, ils doivent fermer ma bouche. Non. Je ne cherche pas la pitié de quelqu'un sur les réseaux. Non, non. Je ne cherche même pas même que quelqu'un ait de la sympathie pour moi. Je viens sur ma page, je dis ce que je pense, ce que je juge bon ou mauvais. Si je pense que j'ai envie, je peux dire ça sur la toile. Je le dis et puis je quitte là. Toi, tu veux mettre like, tu mets like. Toi, tu veux partager, tu partages. Toi, tu veux m'ignorer, tu m'ignores. Toi, tu veux m'insulter, tu m'insultes. Toi, tu veux m'encourager, me féliciter, tu le fais. Je n'oblige personne à me donner raison ou à me soutenir. Va t'occuper de ton mari. Mon mari vous a dit qu'il manque d'affection. Qu'est-ce qu'il vous a dit qu'il manque d'affection? Non, ne confondez pas les choses. J'ai ma vie de couple qui est là, bien. Et puis j'ai ma vie d'artiste. Facebook, là, c'est pour le travail. Si tu n'étais pas artiste là, il n'est pas venu sur Facebook, venir faire mes forces, venir parler, il est venu expliquer quoi même. Je suis artiste, une personne publique. Et celle dont je parle, c'est une personne publique. Voilà, donc c'est normal qu'on en parle sur la toile. Parce que c'est vous les mêmes là aussi, là, qui jugez. Vous ne savez pas ce qui se passe et puis vous venez juger sans savoir. Donc moi là, pour rester dans l'air, il paraît que là, moi je viens, je place ma caméra et puis je parle. Karine a dit que ses parents lui ont dit de m'éviter. Ok, j'ai compris. Mais Karina, tu dois me dire ça. Quand je t'envoie l'invitation, là, il fallait refuser. J'allais prendre d'autres personnes pour mettre à ta place. C'est une liste d'invités. On fait une liste. Ça mène des noms. C'est par rapport à ça. Sur les chaises, il y a des noms. Les tables et tout. Tout est calculé. Il fallait me dire ça. J'allais inviter d'autres personnes. Voilà la Donia qui est en train de se fâcher là-bas. Je ne l'ai pas invité. Alors qu'effectivement, la Donia était sur la liste. Mais quand on a commencé à calculer les noms des chaises, là, ça, on a vu que, ah, il fallait supprimer quelques personnes. Il fallait enlever de certains noms. C'est comme ça enlever certains noms. Les noms, on a enlevé là. On pouvait mettre deux là. Oui, on pouvait mettre deux là. Parce que si c'est connaître le monde là, je connais du bon monde. Oui, si c'est le monde là que je connais. Quand je vous dis qu'on a fait un petit mariage avec une modeste somme de 80 millions, c'est effectivement un petit mariage. Parce que le monde que moi, mon mari connaît et le monde que moi, je connais là, si on devait inviter 50% de nos amis, nos connaissances là, c'est pas dans ça qu'on a fait notre mariage. On a fait ça dans un stade. C'est pas que je me donne des. C'est pas que je veux me grandir et autre ou bien chose. C'est ce qui est la vérité. C'est dans un stade qu'on allait faire. C'est pas plus de 200, 300 millions qu'on allait dépenser dans ça là. Plus même que ça. Mais on n'a pas cette somme là pour ça. Ne viens pas t'asseoir sur la toile pour faire croire aux gens que moi je quémande ton amitié. Tu sais que tu m'apportes rien. Tu m'as jamais rien apporté d'ailleurs. Ta présence dans ma vie, comme ton absence dans ma vie, ça ne m'apporte rien, ça ne change rien en fait. Tu comprends?